Le petit Liu vivait dans un petit village de pêcheurs, au bord de la mer. Depuis plusieurs jours, de violentes tempêtes empêchaient les marins de travailler et bloquaient les habitants qui restaient cloîtrés dans leur cahute. Mais comme Liu était un petit garçon fort et solide, il partait chaque jour à la recherche de ravitaillement pour tout son village. Mais la mer, elle, ne se calmait pas. Comme si elle avait voulu se venger des hommes! Et un jour que Liu était parti, elle engloutit les maisons et les hommes avec une telle fureur qu'elle emporta tout d'un seul coup. La petite Soledad vivait dans un petit village au pied d'une grande montagne. Un jour, elle était partie se promener seule dans la forêt. Mais la montagne se mit à trembler. Trembler ! Trembler si fort que les murs des maisons s'effritaient, les pierres se fendaient. Alors Soledad courut se cacher dans une grotte. La montagne se réveilla comme un monstre géant et engloutit de sa lave tout le village. Pardonnez-moi de vous déranger pendant vos méditations, mère, mais je dois insister. Le monde se meurt, mère. Le grand équilibre est rompu. Les hommes ont tout saccagé. Nous tombons malades, mère. Il faut partir. Hissez la grande voile. Larguez les amarres. Etc. etc. Oh non, je ne peux pas me résigner, ma place est ici à surveiller les hommes. Vos forces vous abandonnent, mère. Et nos sœurs, elles aussi, tombent toutes malades. D'accord, partons, quittons la grand voile, larguons les amarres. Oh, bye bye. Oh, no.
Lorsqu'il revint de sa course, Liu ne trouva plus personne. Il se jeta à la mer pour mourir et rejoindre sa famille, mais elle refusa de le prendre comme elle l'avait fait pour tous les autres. Liu flottait parmi les décombres, à la recherche des objets de sa maison. Lorsqu'il aperçut... le mystérieux coffret que ses parents cachaient sous leur lit. Alors, il nagea vers lui, et au moment où il le toucha, la mer s'ouvrit et l'emporta dans un gigantesque tourbillon. Il crut mourir comme les siens. Mais le coffret dans ses bras, il s'aperçut qu'il pouvait respirer sous les eaux. Ouais, comme s'il était entouré d'une immense bulle d'air. Il dérivait ainsi. La mer l'emmenait exactement où elle le voulait. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il va faire un voyage dans les profondeurs de la mer. Soledad déambulait dans les ruines, désespérément seule, les yeux pleins de larmes. Lorsqu'elle vit un coffret qu'elle reconnaissait, c'était celui que ses parents cachaient tout en haut de l'étagère. Elle le prit, elle l'ouvrit et trouva une petite pierre précieuse attachée autour d'un parchemin. C'était un dessin. Dans une galerie sombre du centre de la terre. Mais sa pierre précieuse éclairait les parois de la galerie, alors Soledad se sentit protégée et décida de s'aventurer seule dans cet univers froid, sombre et essentiel. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Elle allait découvrir ce qu'aucun homme n'avait découvert jusqu'à ce jour. Oh.
Oh. Petit à petit, les eaux s'éclaircissaient et il y vit des milliers de poissons. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y en avait des beaux et gracieux. Il y en avait des laids et difformes. Et tout ce monde nageait autour de lui, mais sans lui prêter la moindre attention. Il était là comme un voyageur invisible, un espion caché. Les courants l'amenaient maintenant vers une forêt de corail. À mesure qu'il avançait, la dentelle des coraux se resserrait. La lumière peinait à les traverser. Les courants étaient plus froids, plus calmes, si bien que Liyu n'avançait plus et ne savait pas où aller. Alors, il s'assit sur le sable, son coffret sur les genoux, et pensa très fort à sa famille. Oh, maloche, maloche. Oh, maloche, yéda. Oh, maloche, maloche. Oh, maloche, yéda. Oh, maloche, maloche, oh, maloche, yéda. Oh, maloche, maloche, oh, maloche, yéda. Oh, maloche, maloche, oh, maloche, yéda. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pour qui veut regarder, la solution est sous son nez. À cette seule pensée, Liyu ouvrit immédiatement son coffret. Et il y trouva une statuette finement sculptée. Comme elle était très solide, il décida de s'en faire un outil pour se frayer un chemin à travers les coraux. Et il frappa. Frappa de toutes ses forces, de toutes ses peurs. Il voulait sortir de là.
La très vieille tortue nagea longtemps. Elle transportait Liu sur son dos. Lorsqu'elle eut nagé suffisamment, elle s'arrêta enfin un instant. Et elle déposa Liu, oui, à la porte des profondeurs de la mer. Allez, solo! Allez, allez, vas-y. Allez, maman. Allez, vas-y. Ils sont chauds, là. Puis elle repartit, car cet endroit lui était interdit. Oh yeah! Alors, la très vieille tortue repartit, parce que... La très vieille tortue est repartie parce que la porte des profondeurs de la mer, ça lui est interdit. Et elle laissa Liu tout seul devant cette grande porte. Liu avait peur. Mais malgré ce sentiment, il s'avança prudemment dans ce nouveau monde effrayant. Dans la galerie où Soledad marchait, il y avait des pierres précieuses, des minéraux ancestraux, des cristaux. C'était comment? C'était comme... dans un labyrinthe aux merveilles brillant de mille feux. Et à mesure qu'elle marchait dans ce labyrinthe, sa pierre précieuse qui l'éclairait s'éteignait, la plongeant bientôt dans un noir absolu. Au bout d'un long moment, elle aperçut une lumière au loin. Alors elle se précipita vers cette lueur. Et elle arriva devant une forêt de champignons géants. Ma gueule! 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 Ma gueule!
sentier et arriva à la lisière de la forêt devant une immense étendue d'eau. Ah, ça alors, c'était comme dans une mer, dans les profondeurs de la terre. Il fallait qu'elle traverse cette mer, mais elle ne savait pas comment faire. Singela boe oe Ei pe Singela boe oe Ye pe Singela boe oe Ei pe Singela boe oe infiltreront chez eux clandestinement pendant leur sommeil. Et nous vérifierons si les hommes croient toujours en leurs rêves. Oh, my.
Soledad naviguait tranquillement sur la mer. Il faisait chaud. Les vents la transportaient tout doucement. Mais les choses allaient se gâter bien vite. Une tempête se leva sur la mer. Des monstres marins passaient désormais sous son radeau. Ils essayaient de la faire chavirer. Liu avançait, sa statuette à la main pour se donner du courage. Ses yeux s'adaptaient à l'obscurité. Lorsqu'il sentit tout à coup les eaux s'agiter autour de lui. Une immense mâchoire s'élançait vers lui. Abîme de la mer, et bientôt Liu ne l'aperçut plus. Alors, il reprit son souffle, rafistola un petit peu son courage, et il continua vaillamment sa route. Très bien.
Oui, mais c'est étrange, grande reine. Dites-moi. Eh bien, ceux qui croient en leurs rêves songent tous à la même chose. À deux enfants, l'un parcourant les profondeurs des océans et l'autre celle de la terre. C'est très bien, la prophétie est en route. Mais grande reine, allez-vous enfin nous expliquer ce que veut dire cette prophétie? C'est pas drôle. Mais fée, je dois vous avouer quelque chose. Il y a très longtemps, j'ai aimé un homme qui croyait en ses rêves. Ah, mais c'est interdit, ça. Hein? Ah bah, le sujet n'est pas là. Ah. Oui, et puis de notre amour sont nés deux enfants, mi-homme, mi-fée. Ah. C'est à leur naissance que cette prophétie m'est apparue. Alors, j'ai déposé mes deux enfants dans deux familles, deux pays différents. Alors, ce sont à vos enfants que rêvent les hommes? Oui. C'est eux qui vont sauver le monde? Peut-être. Et vont venir chez nous? Il leur reste une ultime étape à passer. Et préparez-vous à les accueillir. Oh oui, oui, pourvu qu'ils y parviennent, préparons-nous. C'est ça. Un nouveau monde luxuriant et coloré. Il y avait devant elle un chemin de verre scintillant qu'elle suivit. Elle sentait une énergie nouvelle affluer en elle. Une force prisonnière frappait derrière ses omoplates. Déchirait. Sortait, puis à nouveau frappait, déchirait, sortait. De grandes ailes soyeuses poussaient dans son dos. Elle s'envola. Lorsqu'il aperçut une lueur, c'était une immense montagne de diamants. Il en ramassa une très grosse poignée, ouvrant ainsi un trou dans la montagne et libérant la pression enfouie des profondeurs de la mer.
maintenant. Il retombait. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Je tombe. Soledad et Liu se regardèrent. Soledad détacha la pierre autour de son cou et Liu lui tendit sa statuette. Sans rien se dire, les deux enfants les emboîtèrent. Une porte apparut devant eux. Ils se levèrent et posèrent ensemble une main sur le symbole gravé en son centre. Et ils entrèrent dans le monde des fées. Ainsi, la prophétie de la grande reine des fées se réalisa. Ah oui! Pour sauver la planète, Soledad et Liu envoyèrent à travers le monde des messagers pour raconter leur histoire à tous ceux qui croient en leurs rêves. La 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 la. Thank you.